Les cybermenaces, ce ne sont pas que des attaques d'hommes à capuche sur des institutions. Et cela peut coûter très cher, surtout quand on ne s'y est pas préparé. Prenez Patrice. Patrice est à la tête d'une entreprise de plasturgie. Récemment, il a été attaqué par un rançongiciel, un logiciel malveillant qui a bloqué l'accès à la totalité de son parc informatique en échange d'une rançon. Heureusement pour Patrice, le système d'information de son entreprise a pu être restauré grâce aux outils classiques de sécurité, notamment la sauvegarde. Il a fallu une semaine pour restaurer le système d'information. Ce qu'il ne savait pas, c'est que malgré cela, il n'était pas pour autant tiré d'affaire. Le hacker avait aussi profité de son intrusion pour installer un outil de prise de contrôle à distance, un outil qui n'avait pas été identifié par l'informaticien de Patrice. L'installation d'un Detoxio a permis de bloquer les flux sortants vers les hackers et d'empêcher le rechargement d'un rançongiciel. Sans ça, l'entreprise aurait subi à nouveau une semaine d'arrêt complet du parc informatique, ou bien plus. Vous voyez, toutes sortes de menaces existent. Alors si comme Patrice vous souhaitez retrouver votre sérénité, mieux vaut opter pour une cybersécurité de précision.